Hello, coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode du Let's Play de South Park, l'anal du destin. Alors, je vous reprends là où on s'était arrêté la dernière fois en sachant que là, je dois me prendre en selfie avec des gens afin de gagner des followers pour mon compte Instagram. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas être pris en photo avec moi parce que je suis pas assez populaire. Je ferai un selfie avec toi quand tu auras plus de followers, ok? Mais tu vois. Un selfie, bien sûr, gamin, avec plaisir. Ah? Ah, mais attends, on avait pas déjà fait un selfie avec toi. Youpi! Ouais! Ok, cool. Est-ce que tu veux maintenant? Ok, t'es assez connu pour que je fasse un selfie avec toi. Oh bah, dis, eh. A du bol. A changer l'humeur. Voilà. Youpi! Matty! On est potes maintenant, j'imagine. Exactement. Toi? Je pense qu'on a assez de followers en commun pour faire un selfie. Excellent. On va rechanger l'humeur. Excellent. Youpi! Youpi! Pas mal, Trouduc. T'as gagné des followers assez vite. Continue comme ça. J'ai du mal à joindre certains membres de la bande. Essaie de découvrir ceux qui se trament. Pas de soucis. Téléphone, donc là, boup 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 boup, il faut que j'aille au niveau de la carte. Wow. Les chaînes de Super Craig. Parler à Super Craig chez Craig. Et Craig, Craig, il est là. Il est tout à droite alors que moi, je suis ici. Mais, tais-toi le jeu. Qu'est-ce qui me fait chier? Je suis connecté. Je suis sûr qu'en fait là, ça bugouille un peu. Parce que je suis sur un jeu PS4. Rétrocompatible PS5, mais quand même un jeu PS4. Va savoir. Donc là, on a ma maison, la maison de Butters, la maison de Cartman. Là, je sais pas c'est à qui. Ça va savoir. Donc là. Tac. Et oui. Ouais, le choc des mondes parallèles. Retrouver Kyle chez lui. Ouais, non, mais on va faire ça, nous. Craig. Ah, ouais, Craig, c'est ici, ouais. Et là, c'est Kyle. D'accord. Comment je fais maintenant? Retour. Ah, mais tu me saoules! Voilà, t'es content? Oh, yo. Maintiens les liens pour afficher la minimap. D'accord. Ça y est! Poupili papa, toi tu veux bien ou pas? Ok, t'es assez connu pour que je fasse un selfie avec toi. Yes. Alors, on va faire quoi? Moi, bon, je vais faire ça. Voilà. On va baisser on un peu. Tu fais ce selfie? Attends. Youpi! Johnny! Johnny Rico. On est potes maintenant, j'imagine. Toi? Non. Mmh, ok, faisons un selfie ensemble. Ben voilà! Toujours la même tête. Youpi! André! Cool, on suit réciproquement. Qui oh, une Randy chose pareille? C'est tellement nul! Bonjour! Hé, toi, tu saurais pas quelque chose? Quelqu'un raille la voiture de ma femme la nuit! Ça arrive toutes les nuits! Au début, je pensais que c'était l'un d'entre vous, mais bon, viens jeter un œil! Celui qui raille la voiture laisse aussi des messages. Je crains que ce ne soit un amant éconduit ou autre. Tu m'oublieras pas aussi facilement. Je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je vais tout cafeter, salope. Écoute, j'en ai marre de devoir gérer cette merde. Si t'arrives à choper le coupable, je te suivrai sur Instagram. Fais-moi confiance, j'en vaux la peine. Je suis quelqu'un qui compte grave dans cette ville. D'accord. Découvre qui irait la voiture de Randy. Mais on verra ça après. Ouais. Mais on peut quand même visiter la maison. Hein? Histoire de... Attends, je peux faire un truc là? Il faut venir de nuit. Celui qui fait ça agit dans l'ombre. D'accord.
Il est là, lui. J'espère que tu m'as amené de bonnes choses, Billy. Je suis pas Billy. Ma quéquette a besoin d'une chaudasse, Billy. Tu peux me trouver une capote? Ok, d'accord. Ton grand-père rajeunit pas, Billy. J'ai besoin de capote. Ok. Pas de soucis. Je vais prendre quoi, une taille small, hein? Ou extra small? LOL. Salut, bouffon. Au revoir, bouffon. T'es bien prendre un selfie avec moi? Pas question, connard. T'es loin d'avoir assez de followers. Faut que je protège mon hashtag. Mais c'est pas grave. Ok. Allez, on fouille. Hein. Tac. Recette antidote. Oh, la margarita de la série, là. Merde. Je sais plus c'est quoi le nom de l'épisode en question, mais... Je crois qu'il n'y a pas un truc où il faut sauver l'économie ou un truc du genre. Stan? Référence à Mad Max en arrière-plan au niveau du poster. Là, on voit le bouclier de Captain America. Jeu vidéo. Héroïne héros. Ça me dit quelque chose, ça. Ça vient pas de la série aussi? Je crois que oui. Ouais, guide de porno meurtre informatif. Pareil, hein, ça vient de la série. Ah, j'ai gagné 12$. Enfin, 12 centimes. Couvre-chef, bon essai. Waouh, wow, excellent. Plus tard. Là. Tac. Je ne peux rien faire, pas encore. Et un jour. Non. Bah écoutez, là on va sortir. Hein. Tu me saoules. Bye bye. Oui, je m'en vais. Ah, je vois que tu as trouvé le palais dans les nuages, la base opérationnelle de l'homme cerf-volant. Peut-être que tu le trouveras à l'intérieur. Peut-être. Attends. Prends l'échelle et bam. Non, je peux pas grimper là. Pénétrons dans la maison. Hop, n'allons pas si vite. Ah, Kyle! T'es qui toi, bordel? Non mais sérieux, tu m'envoies un noob après mon signal de détresse? T'es un vrai connard, le coon! Désolé, gamin, mais j'ai un problème bien trop important pour un débutant. Il y a quelques jours, une anomalie s'est produite dans l'univers. Une autre version de moi. L'homme cerf-volant d'un autre univers s'est pointé ici. Il détruit tout, il est dans ma chambre et rien ne peut l'arrêter. Finalement, on a fait la mission de Kyle. Alors qu'à la base, j'étais parti pour faire la mission de Craig. Mais c'est pas possible, ça! Sérum de réanimation. Cool. Pour le premier épisode, on avait été assez épargné, mais là, ça commence à devenir fréquent. Oh! Pas mal! Sauf que je ne peux rien faire. Ouais, non. Direction le premier étage. C'est ça ta chambre ? Même cerf-volant d'un autre univers se trouve derrière cette porte. Je peux pas le combattre, pour des raisons évidentes. T'imagines bien ? Distorsion d'univers parallèle et tout le toutim. Alors c'est toi qui vas t'en charger. Tu dois lui botter le cul pour qu'il retourne chez lui. T'as compris ? Chope-le ! Zoom. Ah, salut Kyle, me revoilà. C'est qui ton copain? Il est venu jouer avec nous. Bon, moi d'un autre univers, il est temps pour toi de repartir d'où tu viens. Ben quoi Kyle, on est une équipe, je te rappelle.
Je suis pas d'un autre univers, on est des super potes. Comme tu peux le constater, c'est lui qui entache la réputation de l'homme cerf-volant. Il a été envoyé ici pour me détruire et saper mes pouvoirs. Non, non, je suis venu passer 2 semaines avec mon cousin et j'ai voulu jouer au super-héros. Alors il a dit, ok, tu vas être lequel? J'ai dit, l'homme cerf-volant. Et il a dit, tu peux pas être cerf-volant parce que c'est moi. Alors j'ai dit, pourquoi on serait pas l'homme cerf-volant tous les deux? Et je suis allé voir Tanchella et je lui ai tout raconté. Et elle a dit qu'elle devait faire comme je voulais parce que c'est lui qui invite. Tu te rappelles? Je suis désolé, moi, d'un autre univers. Mais il est temps que t'apprennes que jouer au super-héros, ça fait mal. Le nouveau, tu dois détruire mon alter-ego, maintenant. Oh, seigneur, on va se battre. Eh oui, mec, si tu veux jouer, alors c'est comme ça qu'on fait. Bon, bah d'accord. Si ça peut me rapprocher de mon cousin, prépare-toi à combattre à Vorton. Bah, l'homme cerf-volant d'un autre univers. J'ai jamais fait beaucoup d'entraînement. C'est un truc sans contact. Full contact, pas d'entraînement. Alors j'ai peur de devoir refuser, je n'ai pas mes protections. Oh, pas question! Chope-le, le nouveau! Cousin Kyle, on peut le battre si on unit nos forces. Ouais, j'aimerais bien, mais les règles des univers parallèles sont contre. Allez, prends ça. Merde, produit. Attention, s'il vous plaît, j'ai un grand nombre d'affections que je tiens pas à aggraver. Eh ben, faut qu'est-ce prendre qu'il va ta décision dans le jeu. Tu pouvais ne pas jouer. T'aurais pu prendre cette décision-là. Oh, dis pas de bêtises. Oh, les mecs, t'en mords, je commence à avoir des vertiges. Ah, oh, seigneur, vas-y à fond. Bah, je pense que là, j'y étais à fond, hein. Ok, le liquide de mon oreille interne s'est stabilisé. Le dernier coup comptait pas, hein. J'étais dans les vapes. Phew. Un grand classique des conneries d'univers parallèles. Ah, mais merde, à chaque fois, j'oublie. Une seconde, j'ai besoin d'un temps mort pour utiliser mon inhalateur. Ou pas. Hé hey. Mais le combat va durer un milliard d'années. J'ai demandé à ton mort et il n'a pas écouté. Tu sais que mon asthme revient dès que je fais de l'exercice. Ouais, je crois que ça serait plus juste si j'avais un bouclier ou un truc comme ça. En l'occurrence, ce sphère thorac a aussi une grande valeur sentimentale. Mec, l'homme cerf-volant est un extraterrestre. C'est pas des trucs juifs. Et tu peux pas inventer des pouvoirs en plein milieu d'un combat. Je n'invente rien, c'est tout à fait légitime dans mon autre univers. Ah. Oula. Ah, il est protégé. Le cousin Kyle vient d'utiliser protection indiquée par la barre bleue au-dessus de sa santé. Protection absorbe tous les dégâts jusqu'à épuisement. Ouais. Je me sens barbouillé. Le problème, c'est qu'il voilà, il a quand même le dégoût. Hein. Bah, attends, je pense que ça devrait être mon tour, pas celui du nouveau. Parce qu'il a pas attendu tout à l'heure quand j'ai demandé une pause. Donc je pense que ça devrait être à moi. Tu plaisantes? C'est carrément de la triche. Oh, le fumier. J'y suis pas allé trop fort, je voudrais pas que t'aies des séquelles. Ah bah c'est toi qui vas avoir des séquelles, mec. Hé, hey, je crois que tu m'as foulé le nez. Très bien, c'est parti pour mon super pouvoir ultime, prépare-toi, t'es prêt? Oh, putain! Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Du cerf-volant d'un autre univers. Il s'est laminé la tronche tout seul. Magnifique. Ah, ah mon dieu, je crois que j'ai rompu mon hernie. T'en as assez de mon moi alternatif? Ouais, ce truc de super-héros, ça fait un mal de chien. Je ferais mieux de regagner mon univers. Oh, tu t'en vas? Ça craint. Ouais, je vais regagner mon univers, homme cerf-volant. Il me faut du campophénique pour mon oreille. J'ai récolté une égratignure en me faisant péter dessus. Mec, je sais pas comment te remercier, mais désormais, compte sur moi si t'as besoin d'aide. Est-ce que tu veux bien faire un selfie avec moi? Ok, ouais, juste 2 héros en train de glander. Ouais, super. Alors, on va faire... Non, comme ça. Youpi! Youpi! Chouette! Ouais, comme tu dis. Tac, là ici, on a fiche de perso de l'homme cerf-volant. Là. Wouah! T'as des choses. Pareil, hein, je vois en haut à droite le masque issu de la série. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit la petite copine là en photo, posée sur la commode. Le cerf-volant en vert. On dirait qu'il a une tenue... Non, j'ai rien dit. Bon bah j'y vais.
Alors, si je vais par là... je vais pouvoir monter, à mon avis, dans le grenier. Tract, la dauphinoplastie. Ah oui, c'est quand le père voulait devenir un dauphin. Bah, qu'il est même devenu un dauphin. Ça, c'est quand Kyle veut devenir un basketteur et qu'il se fait greffer... des trucs. Je sais pas trop. Ouah, Twig et Craig, surprise moite. Ouais, pareil, ça c'est sur l'épisode spécial animé manga, entre guillemets. Où c'est les Asiatiques. C'est les Asiatiques qui décident qui est gay ou pas. Parce qu'au départ, ils sont pas gays tous les deux. Mais c'est à force qu'on leur dise qu'ils sont gays, qu'ils deviennent gays. Enfin, c'est assez rigolo. Non. Ah, mais t'es là, toi ? Ça va, mec ? T'es qui ? D'accord. Tu veux bien faire un selfie avec moi ? On fait un selfie. Super. Voilà, allez. On change. Voilà, comme ça. Bim. Ike ! Ils ont pris une photo. Je veux en prendre une. Tu peux pas. Non. Ça monte, hein, 4 sur 10. Ça, ce serait pas la reine du Canada ? Pareil, un épisode avec elle. Oh, et Kyle sans son bonnet. Regardez-moi la touffe. La construction de la base cerf-volant est presque terminée. Ça va être génial. Génial! Voilà. Donc, hop, on pète ça. Ça, c'est fait. Donc là, on est ici. Oh, c'est vachement loin! Hé, petit, tu viens de trouver une œuvre Aoi. Tu connais ce terme? Il faut qu'on parle. Mince, j'ai pas le temps. Rencontrer le père de Craig chez lui. Bah, ça tombe bien parce qu'on va chez Craig. Viens, Minou. Ah, on est... Oh, c'est excellent. Mais oui. Viens, Minou. Mais je peux pas... Ah, enfin. Bonjour. Non. Ah, merde, je peux pas y aller. Je peux pas voir Kenny. Viens, Minou. Que dalle. Tant pis. Viens, Minou. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec le Minou? Ne dis pas que c'est pour le manger, hein. Comment je passe, là? Comment je passe? Je peux pas passer, là. Viens, Minou. Oh, parler au père, ouais, ben oui, non mais... Ah oui, Sodo Sopa, tout à fait. Mais où est passé ce maudit chat? Ah, je peux pas lui parler. Comment tu veux que je fasse? Attends, si je vais là et que je vais dans fiche de perso, donc non, ce n'est pas là, dans costume, non, dans Instagram. C'est où qu'on voit les missions en cours? Tu as été plutôt méchant avec moi tout à l'heure, mais j'imagine que tu regrettes. Quand est-ce qu'on rejoue au super-héros? Ah, fais chier. Petit, tu viens de trouver une œuvre yaoi. Tu connais ce terme? Il faut qu'on parle, c'est super urgent. Oui, parce qu'en fait, c'est Craig qui est gay avec... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié.
Aucune trace de sacripant dans les parcs, mais j'ai une petite idée. On va voir où ça nous mène. Alors là... Viens, Minou. Ouvrir la carte, afficher les missions. Ah mais... épinglé. Non, ça. Moi, je suis où? Ah, je suis tout là-bas! Ah, mais je suis parti beaucoup trop loin, en fait! Je suis en train de gogoliser, là, dans le secteur! Et ça commence à me saouler, ça! Pourquoi ça me le fait tout le temps? Faut pas oublier de, ouais, de revenir ici quand il fera nuit. Tiens, bouge pas, toi. Non, je peux pas te parler. Non. Allez, on continue. Schlack. Attention, Produc, ce sont des sixièmes, les créatures les plus viles et maléfiques de l'univers des super-héros. Sérieux, vous êtes trop cons. Tout le monde sait que c'est la mère de Kiefer qui a les plus beaux nichons. Oh mec, vas-y, parle pas des sang de ma mère. Et tu vas me faire quoi, face de calculette? On va au ciné, on verra peut-être des nichons dans Wonder Woman. Le ciné, c'est trop nul. Venez, on va jouer au basket. Le basket, ça craint, mec. Je sais, si on allait tabasser un écureuil. Mec, on a déjà éclaté un écureuil. Les sixièmes sont bien trop forts pour toi. Continue de marcher comme si de rien n'était. Ne les regarde pas. Hé, hey, regardez, un débile de CM1. Non, Bolos. Ah, il y a des extensions. Alors, dans le deck du danger, les joueurs devront faire face à une série de combats. Ils débloqueront des costumes, des objets exclusifs. Une nuit à la Casa Bonita. Une nuit à la Casa Bonita est une nouvelle aventure où les joueurs feront équipe avec le Kun et Mysterion pour vaincre une présence démoniaque à la Casa Bonita. Tout croustillant, attendra une nouvelle aventure ainsi qu'une nouvelle classe de super-héros. Ah, cool. En fait, il y a juste lui qui est pas terrible. Ouais. Ah, sympa, je savais même pas qu'il y a eu des DLC... Je vais te péter la gueule et après je vais éclater le cul de ta putain de grenouille. Solo. Les grenouilles n'ont pas de cul, elles ont un cloaque. Bah moi je passe, hein. Eh bah... J'aurais peut-être pas dû le taper. Va savoir. Ah, on est deux. Cerf-volant assure les arrières. La justice vient du ciel. Pas de quartier. Ah, le vent tourne. La ferme, le CM1. Comment à toi, mon cerf-volant. De latter des CM1. Ah. Appuyez sur X lors de l'attaque d'un ennemi accélère le rechargement de la jute ultime. Ok. C'est dégueu! Révision météo! Forte chance d'attaque de cerf-volant! Attends. Ah, ça peut le faire! Aïe aïe aïe! Concours de regard, t'as perdu. Maintenant c'est à moi et on va faire ça. Le harceleur devient le harcelé. C'est toujours moi le harceleur. C'est mon tour maintenant. Torsion, téton.
Oh, hop, ça avait l'air de faire mal. Qui a besoin d'un coup de laser? Pareil, je vais faire ça, ça. Ah mais je suis bloqué aussi. Ok. Bon tant pis, je vais faire un laser. Vaudrait mieux un peu de crème là-dessus. Il est trop tard pour négocier. La ferme, mauviette. Oui, c'était génial ça. À défaut de chose, mec, hein. Vous cognez dessus me fait le plus grand bien. Ah, accroche-toi, le loubeau. N'y est presque. Ressens la colère de l'homme cerf-volant. Encore un laser. Moi, tu l'as battu, tu m'as sauvé. Bye bye, le sixième. Niveau 2. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on passe un level? On va savoir. Waouh, bon travail de nouveau. T'es venu à bout d'un sixième. Continue. Ouais, mais voilà, j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul et lui, il était tout seul. On a besoin de champions de ton espèce, le nouveau. Des persécuteurs de persécuteurs. Tu veux vraiment un selfie avec moi? Ouais. Ouais, vas-y. Non, comme ça. Doucement. Voilà, pas trop. Youpi! Comme ça, on voit la grenouille. Te regarder tabasser 6ème, c'était trop cool. J'espère devenir fort, moi aussi, un jour. Oui, peut-être. Ou pas. Vous... Ah, c'est... les parents de Jimmy. Donc du coup c'est la baraque de Jimmy. Tu sais bonjour. Que tu vis pas ici. Oui. Ed Jimmy a terminé son grand projet. Et pas de soucis, on fera un selfie. D'accord. Tu peux aller courir et t'amuser chérie. Mais loin d'ici ce serait parfait. T'as vu Jimmy? Vous êtes potes tous les deux ou alliés comme super héros ou un truc dans le genre? Bah on va attendre hein. Antidote encore. Là maintenant que c'est fait, on va monter à l'étage et on verra peut-être le petit Jimmy. Jimmy. Ouais. DNA. KDN en français. Manette de jeu. Fragment de pilule maximol. Croix à pied. C'est quoi tous ces journaux? Tout à fait. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, hélas. Ah, quoique, on récupère du pognon. Alors, tenir. C'est bon. Étoile costume. Allez. Alors, faut que j'aille comme ça. Boum. Excellent. Pas terrible. Mince. Ah mince, j'ai pas vu le L2. Oula. Non, oh, j'ai dans le mauvais sens. Ah merde. Oh. Je pense que j'ai bien merdé. Gros bus marron. Ah ouais, bon bah peut-être que j'ai pas si foiré que ça. Poupilipapou. Bon là maintenant on peut partir. Je parie qu'il se passera rien de rien cette semaine. Ouais. Bye bye.
La maison de Craig, la maison de Craig, est-ce que ce serait pas là? Yes. Non. Tu es nouveau ici? Tu n'as pas l'air d'être un copain d'Henrietta. Ah oui, c'est la gothique. Je parie que toi et Bradley, vous vous entendriez super bien. Si vous le dites. Est-ce qu'elle est à l'étage? Mais mince! Ah, ils ont tous un sous-sol, hein. Là. Je pourrais faire des trucs non conventionnels avec vous toute la journée. C'est ce qu'un mec conventionnel dirait. Oh, dur. Non, me parle pas conformiste. Un selfie, tu te moques de moi? Merde. Tire-toi de là! Dégage! Tu es un conformiste, ça se voit. Je refuse d'adhérer aux réseaux sociaux. C'est compliqué de faire des phrases. La ville part en vrille encore plus que d'habitude, alors on s'est dit qu'on allait essayer ce sortilège de magie noire trouvé sur le net. Mais l'abruti de frangin d'Henrietta a volé le tome sacré dont on avait besoin pour le rituel, alors on est baisé. Si tu pouvais trouver ce tome, petit, ce serait grave gothique de ta part. Tu veux bien prendre un selfie avec moi? Non? Mince. Je suis pas très selfie. Ah, vous êtes chiants, les gothiques. Bon bah, écoutez, hein. Hop. CD de Blauhouse, clavier Gorg. Bye bye. Ouais, non. Ah, on va pouvoir chier. Le mec, il chie tout le temps. C'est un chieur. C'est bien. Attention, attention. Gaz moutarde. C'est compliqué de faire les trois trucs en même temps là. Ouf. Truite brune ordinaire. Ok. Là, là. Oh, attends. Ici. Camion de pompier. Ouais. Ah, le tome d'Henrietta. Ah, super. Vas-y, on va pouvoir le rapporter. Oh, regardez. Indiana Jones. Le poster, le quatrième opus. Le temps d'écrier. Alors que moi, je l'aime bien, Indiana Jones 4. Il y a des gens qui le conspuent, qui le détestent et tout. Moi, ça va, moi, j'aime bien. Tiens, mec. Ouah, t'as trouvé le tome sacré. Pose-le dans le cercle des sortilèges. Tu es un conformiste, ça se voit. Aïe. On va tout de suite allumer les bougies sacrées. Les bougies sacrées? Quoi? Quelle bougie? Si tu pouvais trouver ce tome, petit, ce serait grave gothique de ta part. Tu me diras si tu trouves le livre. Mais il est là, devant toi! Va prendre la photo, abruti! Prendre la photo. Dégage! Quoi? Ah, ça me dit que j'ai pas le level. Enfin, j'ai pas ce qu'il faut. Regarde. Va prendre la photo, abruti! Donc, tu peux allumer les bougies pour nous? Ma rhum m'a pris mes allumettes, pétasse conformiste. On va tout de suite allumer les bougies sacrées. Ah mais je peux pas. Je ne peux pas. Donc on va descendre. Mais en tout cas, on se rappellera qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la chambre d'Henrietta. Ah! Tu approches de la forteresse de la solitude de Super Craig. Il ne répond pas. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Croisons les doigts. Tiens là. Ah non. C'est pétable, mais pas avec les stats que j'ai actuellement.
citoyens, bonjour. C'est moi, Super Craig. Je suis désolé, mais je ne suis pas en mesure d'aider à résoudre les problèmes des autres. Super Craig ne trouve plus son cochon d'Inde. Va dire au Coon que je ne jouerai plus avec lui tant que je n'aurai pas retrouvé Stripe. Ce n'est pas un cochon d'Inde ordinaire, c'est celui que je partage avec mon ex-petit copain. Tu as bien compris, Super Craig est gay. J'imagine que Stripe est encore allé se fourrer quelque part dans la cave. On devrait commencer par la cave, c'est là que je l'ai vu en dernier. Ok. Attends. Je me permets de fouiller dans ton frigo burrito, ouais. Super. Recette sérum de réanimation. Je monte à l'étage. Et je passe mon temps à explorer les baraques. Mais c'est trop bien en fait de pouvoir comme ça se balader dans ce monde qu'on pourrait qualifier d'ouvert. Parler aux gens, de voir ce qu'ils font, de regarder les intrigues. Non. C'est déraillé des Lama Brothers. Ah oui, un épisode avec des lamas. Ah, il est temps de faire caca. C'est pas la mère de Craig qui a une touffe? Une grosse touffe. Et je parle une touffe entre les jambes. Bah c'était rapide là. Scone récupérer des égouts. Là on voit qu'il y a des cheveux blonds dans la baignoire. Mais est-ce que ce sont des cheveux? Est-ce que ce serait pas des poils pubiens? Va savoir. Oui c'est elle, c'est bien la maman de Craig qui est hyper touffue de la foufoune. C'est bon, on peut y aller. Je vais rester près des escaliers pour l'empêcher de se taper. Vais tout seul, toi, tu t'occupes du reste, Rudy. Fais attention. C'est peut-être la mission la plus délicate de ta vie. Ouais. Regarde, il est là, dans les conduits d'aération, tout en haut. Ah oui, exact. Mais j'ai peut-être pas la compétence, mec. Hein. T'as pas de super pouvoir qui étire les bras à l'infini, Rudy. Claque doigt débloqué. Ah, génial. Ça pourrait bien être utile. Ah ouais. Comment je vais faire? Merde. Oh, presse! Recommence! Adios. Waouh, on y est presque! Mais on l'a tué là! Lâche pas ce cochonnade! Vite, frappe ce carton avec ton truc! Hop, 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 hop! Oh putain! J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! T'es vachement doué! Dégage ce truc du chemin! Prendre. Corde de Charingo. Et fais ton truc ou il sortira pas avant d'avoir faim! Ça marche pas! Waouh, ça avait l'air d'exiger tellement de talent! Utilise. Le pauvre, il a tellement morflé. Ouais, Stripe, un super sauvetage. Mais j'étais pas tout seul. Il faut aussi remercier Trouduc et son cul tout pourri. T'as reçu le noob. Si t'as besoin d'aide, tu peux compter sur Super Craig. Moi, j'aime pas trop ce manque de respect permanent envers ma personne, hein. Attention, n'allez pas trop loin. Donc là, attends, est-ce que je peux faire un selfie? Ah ouais, évidemment. Qui n'aurait pas envie de faire un selfie avec Craig d'acier? Craig d'acier, ouais. Là. Alors, je vais faire ça. Non, pas trop près. Non, je vais voir les yeux. Youpi! Oh, le mec! Un super Craig sans Stripe, c'est comme super. Ah, super, on a fini. Stripe et moi formons un duo de super-héros invincibles. Pas vrai, Stripe? Oui. Je sais pas faire le hamster.
Hé, hey, toi, tu serais pas un ami de Craig? Tu cherches Craig? Moi, disons que je suis un collectionneur d'art spécialisé dans une forme d'art asiatique délicieusement moderne et extrêmement troublante appelée yaoi. Dingue, non? Mais certains acheteurs sont prêts à payer ça une fortune. Si t'en trouves au cours de tes aventures, apporte-les-moi. Je saurais te remercier. Reviens dès que t'en auras trouvé d'autres. Mais j'en ai trouvé un. Reviens-moi si tu trouves d'autres œuvres pour ma collection. Oh, salut le nouveau. À quoi jouent les enfants aujourd'hui? Oh, j'ai appris que tu es dans l'équipe de Craig. Garde un œil sur mon fils, tu veux? Je suis impatient de voir les nouvelles œuvres que tu trouveras. Ok. Alors. Carte 1. Ensuite, mission. Récupérer 10 œuvres yaoi dans South Park. Ouais, donc non. Découvrez qui est la voiture de Randy. Mais t'es gentil, toi, mais... C'est quoi ça? Boutique de bébé? Ah, je peux aller à gauche. En fait, je peux pas mal me balader là dès maintenant. Hein. Arrêt de bus. C'est peut-être pour se téléporter, non? J'en sais rien. Je ne peux pas rêver de meilleur super partenaire. Ok. Mec, vire de mes postes. Ah, je crois qu'il y a eu une crise de jalousie. Pas mal, le nouveau, pas mal. T'as obtenu quelques followers sur Instagram, j'avoue. Mais c'est loin de suffire. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Reviens au repère du Coon. Terminé. Ah, mais c'est super. Donc le repère du Coon, c'est à droite. Et à côté de la maison de Randy. C'est bien ça? Ouais. Tout à fait. Attends. Ouais. Stop, le nouveau, stop! Tu vois ces petites briques de Lego rouge? C'est de la lave. Si tu essaies de la traverser, tu crèves. Ne la touche pas. Attends, mais ça n'a aucun sens. Qui mettrait de la lave ici? Prenez ça, la bande. Professeur K.O. Exact, Coon. J'ai placé de la lave aux endroits stratégiques de la ville. Sinon, ce serait trop facile. Ce monde manquerait d'intérêt sans un peu de... K.O. C'est bon, on peut couper. On s'occupera de K.O. en temps voulu. Pour l'instant, ne perdons pas de vue notre objectif. Coon, terminé. Ouais, tout à l'heure, il n'y avait pas de la lave, hein. C'est tout nouveau. Matza, frère. Passons. Celui-là, je l'ai appris de cheur, bande de petites salopes. Oh là là, mais quel vocabulaire, ordurier. Non, mince. Encore un petit peu. C'est ici. Tac. Nick. Ta. Mère. Ah, te voilà, Trouduc. Devenir un super-héros, c'est plus dur que tu croyais, pas vrai? Bon, t'es vraiment un gros naze, mais j'ai quand même pitié de toi. Comme ton père a baisé ta mère quand t'étais gamin, tout ça. Viens par ici. Je vais t'apprendre 2-3 trucs sur les artefacts. La plupart des héros boostent leurs capacités grâce à un équipement spécialisé. Tu vois ça? C'est un artefact de puissance. Tu trouveras des trucs comme ça un peu partout en ville. Le truc, c'est de les mettre dans tes emplacements d'artefacts. Vas-y, essaie pour voir. Alors. Maintenant, on va dans artefacts. Chaque artefact a un emplacement spécial sur ton corps. Utilise celui-ci pour booster tes stats. Super. Là. J'en ai plusieurs, en fait. Dégâts d'effet d'état. Et là, on a ceci. Je vais prendre ça plutôt. Les artefacts augmentent ta puissance qui détermine la force de combat de ton équipe. Pour vaincre des ennemis plus forts, équipe-toi d'artefacts plus puissants. Améliore ton rang de héros pour débloquer de nouveaux emplacements d'artefacts. Ça va peut-être piquer un peu au début. Ton ADN est en train de fusionner avec... Tu trouveras d'autres artefacts au cours de tes aventures de super-héros. Et tu peux même en construire toi-même. N'oublie pas, de grands pouvoirs, ça veut dire des meufs canons et beaucoup de pognon. Il a tout à fait raison. Tu peux changer de classe à tout moment en t'asseyant à la table du Coon. Ouais mais non, je pense que maintenant tu es prêt à affronter ces sixièmes. Va leur péter la gueule.
Trouduc. Ah ouais? Bah vas-y. Pétons la gueule à des sixièmes. La nouvelle incroyable, le système de déplacement rapide et fonctionnel. Zoom! Déblocage du déplacement. J'ai trouvé la première borne de déplacement rapide. Cherche-en d'autres, ça te simplifiera la vie. Merci, mec. Active la borne de déplacement rapide. On verra ça après. Un ou deux, sixième. Non, un ou deux. Ils étaient combien? Quatre. Un ou cinq, sixième. Minou, viens là. Viens, Minou, Minou, Minou. Balance-lui un caillou. Non, c'est à moi de lui lancer un caillou. Venez. Balance un pétard à la place. Non, ceux-là sont super rush. Donne-moi la pierre. Foussard. Vas-y, allume ce truc. Non, je préfère jeter la pierre. Lancez quelque chose, abruti. On va attacher un... Hé, c'est encore ce petit CM1. D'accord, CM1. Je vais te donner une bonne leçon. C'est ce qu'on va avoir. Donc là, logiquement, on est trois. Eh, y a Kenny, hein. Y a bien Kenny qui va arriver par la suite. On va vraiment se battre contre les sixièmes? Pas de quartier, les mecs! C'est ça, tous les CM1 sont les bienvenus à cette bagarre. Ça te fera plus à cogner. Ok, voyons ce que tu sais faire, le nouveau. Donc là, on est 7, hein. Difficulté, bah, héroïque. D'accord. Est-ce que je peux changer de perso? Non. Non, je peux pas. Si je fais ça. Non. Réveillez-moi quand c'est mon tour. Ah, là, c'est bon. Ça te fera une belle cicatrice. Qui emmerde moi, ça me saoule. Pourquoi pas vous? Je sais, je me répète, mais quand même. Oh, il m'a roté à la gueule. C'est les... Pour des CM1, vous êtes du... C'est bon, con, qui hein. Sera le suivant à avoir droit à ma rage? Tu demanderas à ton petit copain de te masser. Ça va bientôt sentir le cerf-volant brûlé. Tiens, pour une fois que je peux faire autre chose... Pourquoi je peux pas? Ok, on va faire ça. Moi, à ta place, j'irai au laser. Ouais, bah t'as raison, je vais faire ça. Piu, piu. On est bien placé. Le pouvoir blocage de Craig lui permet de dévier les attaques. D'accord. Un personnage bloqueur n'accuse de dégâts que s'il est repoussé ou frappé suffisamment fort pour briser le blocage. Et c'est le pouvoir bloquant de Craig en appuyant sur triangle. Hé, hey, va chier, je suis super Craig. Stupide Craig? J'ai dit va chier. Ce coup ne fait pas de dégâts, mais il me donne un bouclier et met l'ennemi en rage. Oh, ça c'est un coup bas à l'ego. À toi, cul d'enfer. Vas-y, j'y vais. C'est trop dégueu. Oh merde. Bon, tu me diras, ça va être pareil pour l'autre. Et vous cognez dessus, et l'un d'eux. Allez, bim. Quoi? Des lobbies bien, boum. Plus de deux. Pas de bol, mon gars. Ouais, je m'y attendais. Super, plus qu'un. Remplis-le bien. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah là, ce serait bien, là. Non, trop loin. Si je me mets là... Rafale galvanisant! Et voilà un bouclier absorbeur de dégâts! C'est parti! Tu peux faire ça? Non. Donc je vais te mettre là. Merde. Bon, fin du tour.
Lâche-toi à nouveau. Je peux pas... Si, là. Non, là-haut. Veulent planer sur une brise de justice. Dégueulasse. Bon, ça marche. Pas de soucis, je te coupe. Ah oui, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. À moi de jouer. Mais il y a quelqu'un devant, non? Viens me chercher, enflure. C'est à toi. Ok. Donc là, je vais faire une charge comme ça. Ça a dû faire mal. Alors, mission accomplie. Homme cerf-volant, prêt à piquer. Allez. Fais-moi ça. Non? Ça. Waouh, on a bien cassé du sixième. Ouais. Pfiou. Ouais. C'était carrément charmé. On forme une super équipe. A plus, mec. Génial, c'était trop cool. Attends que toute la ville apprenne que le Kun et sa bande ont éclaté 4 sixièmes. C'est de la bombe pour notre franchise. Bon, après, ça craint un peu pour toi parce que les sixièmes vont vouloir se venger. T'aurais sans doute pas dû faire ça. C'était vraiment con. Bon, allez, va choper d'autres followers pour notre franchise. Ouais, pas de soucis. Donc là, si je fais ça, ouvrir la carte, afficher mission. Donc là, activer la bande de déplacement rapide de la rue principale. Et pour ce faire, faut que j'aille... D'accord. 10 œuvres yaoi. Mais ma foi, ça me paraît bien. Bon bah écoutez, sur ce les amis, moi je vais m'arrêter là. Puisqu'on approche déjà des 55 minutes de gameplay. J'espère que vous aurez apprécié cette VOD. Vous me le ferez savoir bien évidemment dans les commentaires. Je compte sur vous pour avoir vos retours. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. J'espère que vous aurez de très beaux cadeaux. J'espère que vous passerez une bonne soirée avec vos proches, vos amis, votre famille. Enfin, toi-même, tu sais, vraiment, sincèrement. J'espère que tout se passera bien, que vous serez vraiment aux anges. Et bien sûr, moi, bah, je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de ce jeu. Avant de partir, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement, la petite cloche. Ciao, bye bye.